on part faire un road trip en Europe. Et donc, je vous filme tous les jours une destination. Et donc, ça sera un peu une playlist sur mon YouTube avec toutes les destinations qu'on aura parcourues. Donc là, on est le 27 mars. On est sur la route. On part 12 jours. Premier step à Dijon parce que ça coupe la France en deux. Parce qu'on vit dans le sud de la France. Et ensuite, on part dans le Luxembourg. On traverse trois pays. Du coup, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Et donc voilà, ceci est la première vidéo de la série. Chambre d'hôtel, on a pris un première classe comme d'habitude et là on va aller manger au Delarté. Je suis trop contente parce que chez nous les Delarté il n'existe plus, on en avait un et il a fermé. Et vraiment j'aimais trop, tu manges pour 10 balles, allez 13 balles et en plus c'est trop bon. Mais oui, je suis trop contente d'aller au Delarté et après du coup on fera le planning de demain parce que au jour le jour on vit. Genre on sait pas trop, on s'est fait un programme un peu vite et fait mais on vit au jour le jour, donc demain on fera le programme de ce qu'on fait à Dijon et si on va au Luxembourg en fonction de la météo ou ailleurs, enfin voilà. Voilà. Allez, vamos a comer. Bon, c'est vraiment fait péter le bide. Là, du coup, on n'a rien prévu. Donc, tous les soirs, on regarde ce qu'on fait le lendemain, ce qu'on visite, le lieu qu'on va faire après. Enfin, voilà. C'est vraiment en fonction de nos envies, de la météo, les hôtels de dernière minute en plus, du coup, c'est moins cher. Donc, voilà. Je pense que je vous dis à demain. Et demain, du coup, on va visiter Dijon. Ouh là là, il fait froid. Bon, ça y est. On est garé, c'est toujours une galère pour trouver des places dans les villes, c'est un truc de fou. Et là on va commencer avec le parc d'Arcy, si je vous dis pas de bêtises. Et en plus il pleut. S'en sortir. Bon, c'est pas grave. Nous sommes actuellement au palais des Tucs et des États de Bourgogne. On a trouvé ça à l'hôtel, c'est trop bien. Genre, il y a tout qui est condensé avec une carte. Pour l'instant, on kiffe. Trop beau. Dommage, il fait beau sans faire trop beau. Mais pour l'instant, c'est très bien. Il n'y a personne, donc encore mieux. Vraiment. En plus, c'est gratuit. En fait, tous les musées à Dijon sont gratuits. C'est trop bien. Là, je crois qu'on est dans la nef, à côté de Saint-Michel, si jamais. C'est très joli. Une équipe qui gagne. On achète toujours la graille. Là, on a bouffé à 2 pour 10 euros. Quoi. Bon, c'est pas très équilibré. Soit. Mais bon, au moins, on peut partir pour un petit budget. Bon, on avait le soleil qui sortait tout à l'heure, mais il s'est barré et il a laissé place au vent. Voilà, on se gèle. Mais bon. En tout cas, pour l'instant, on kiffe. On a presque fait tous les lieux et il est 14h30. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir prendre la route assez tôt
pour la prochaine destination qui sera dans un autre vlog du coup. Un vlog par lieu. On a acheté ça, mais ça c'est un cadeau. Avec plein de petits bouts. Celle-là. Voilà, là au moins vous tombez pas. Alors, je disais, la moutarde au miel et au vinaigre, ça c'est pour nous. Et ça c'était quoi? Moutarde au cassis de Dijon. Voilà. Là, on va commencer la dégustation. Avec nos gros doigts tout sales. Ah, j'ai réussi à l'ouvrir. Ça sent trop bon. Alors? Oh, elle arrache, pardon. C'est vrai? Elle m'a dégoûté. Oh, ça a merde. Ça sent bon. C'est un vrai moutarde, ça, là? Aïe aïe aïe. Tu prends tout ça, tu prends la risque. Vas-y. Oh, elle est forte, hein. C'est vrai, là. Oh, elle est super bonne. Elle est super bonne. Ça va pas mettre beaucoup. Attends, suivant. Celle-là, elle est au vinaigre, elle va être encore plus. Ça va arriver. Ouf. Elle m'a débouché le nez juste en sentant. Ah. C'est vrai? Oh, oh là là! Oh là là, j'ai le nez qui se débouche! Ouais, quelle arrache! Elle est bonne. Elle pique. Mais elle est bonne. Bon, c'est sur cette magnifique vue de l'arc-en-ciel que je clôture cette première journée de vlog. Franchement, voilà, 8, 9 sur 10 à Dijon. C'est des destinations qu'on serait jamais allé si on n'avait pas fait un point d'étape pour aller dans le nord de l'Europe là-bas. Et en fait, c'est trop cool. Franchement, on s'est régalé, c'est trop bien. Musée gratuit, la ville est sympa, ça se fait en une demi-journée à peu près. Vraiment, c'est trop cool. Donc, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce vlog. Et ben moi, je vlog tout de suite parce que ce soir, on dort à la frontière belge. Voilà, à la semaine prochaine!